Bonjour à tous, c'est Shixi ou plutôt Grencia et je me trouve sur le serveur d'Anto99 et je pense avoir inventé un jeu où ça se trouve, bah, tout simplement, il existe. Mais moi ça m'est venu à la tête ce jeu et je veux le faire partager parce que ça se trouve il n'existe pas, ça se trouve il existe, je sais pas, donc je me suis pas renseigné mais je veux quand même vous montrer. Donc là on est sur le serveur d'Anto99. Là c'est la Warp Event, donc je suis animateur. Et donc voilà. Donc le jeu, je vais vous le montrer, c'est celui-là. Vous voyez, c'est ce grand tube qui est là, avec des petits anneaux là qu'on voit là. Et vous allez voir, en fait, c'est simple. Donc vous posez votre stuff ici, là. Si vous êtes en survie, je suppose. Parce que moi je suis en créatif parce que je crée les jeux ici. Mais les visiteurs seront en survie, donc voilà. Donc c'est simple. Le but, vous voyez, il y a des cerceaux. Et le but, c'est de passer dans tous les cerceaux. Ah bah là, je me suis fail. Et tout simplement d'arriver en bas. Je me suis fail là-haut, hein, mais j'étais en créatif. Normalement, je suis mort. Et donc voilà. Donc là, il y a ma petite tête, tranquille. Donc voilà. Si t'as perdu, tu recommences. Mais bon. Donc voilà, c'est. J'espère qu'il y a des gens qui vont s'en inspirer, que ça va faire le tour du monde et tout. Donc voilà. Donc je fais une présentation rapide. Donc là, c'est. Voilà, il y en a qui sont amusés à manger le gâteau, là. C'est un jump avec des gâteaux. En fait, faut sauter sur des gâteaux. C'est assez connu, je pense. Là, on a le spliff. Donc ceux qui connaissent pas le spliff, c'est de la neige. On doit casser la neige et faire tomber tous les autres joueurs. Là, c'est mon petit bureau avec les règles et tout, enfin les informations. Là, j'ai des à coudre, hein, vous avez vu. Ce jeu, je connais pas le nom. Bah voilà, bah, y a pas de nom en fait. Mais en fait, faut se cramer. En fait, on a un briquet, donc là, il y a commande admin. On prend. Pourquoi il veut pas? C'est pas grave. On prend un briquet et on s'enflamme tous, et le but, c'est de survivre le dernier, quoi. Ensuite, on a la course de cochon. Ah, plutôt imaginatif, non? Si. Je déconne. J'aime bien. Tout en gardant l'aspect naturel du parc et à l'intérieur, mettre un aspect de ferme. Donc voilà. Là, on a donc le dernier truc, la dernière attraction qui m'a mis 4 ans à la faire. C'est la course de bateau. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est des petits accélérateurs, hein, ça fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu va vous allez l'aimer, que ça va vous allez l'utiliser sur votre serveur ou en solo. Je vois pas l'intérêt en solo parce que c'est plutôt marrant d'y jouer à plusieurs. Hop, 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 hop. Oh non. On va refaire un test là pour la vidéo. Ok. Ah, c'est même pas la peine. J'ai réussi une fois, mais alors une fois. Hein. Je vous dis, c'est. Après, ça dépend de votre imagination. Vous pouvez le customiser. S'il vous plaît et que vous l'avez customisé à votre façon, envoyez-moi une vidéo ou quoi que ce soit. S'il existe déjà, je suis désolé d'avance. Donc, sur ce, on va se dire au revoir et à une prochaine vidéo. J'ai eu un petit lag.